Salut tout le monde, c'est Terence 44, j'espère que vous allez bien. C'est reparti. Les matchs à la Beaujoire. L'ambiance, le tifo de la tribune noire. Les supporters de Dortmund. Plus de... On sent plus de 2000. Pas très bien, mais les joueurs sur son terrain. C'est magique. Ah, ça sent bon les fumigènes. Ah, comme d'hab, hein, j'ai filmé ambiance, des tirs au but, s'il y a des tirs au but. De tout, tout, tout. Supporter de l'FC Nantes a eu la grande tristesse d'apprendre le décès de Jean-René Toulmin, survenu le 25 septembre dernier. Il fut notamment l'ancien président de l'association FC Nantes de 92 à 96, puis la structure professionnelle de 1996 à 1998. Le FC Nantes tient aujourd'hui à présenter ses condoléances à sa famille, à ses proches, à ceux qui ont reçu Jean-René Toulmin de son dévouement durant toutes ces années et de tout ce qu'il a apporté au monde. Merci d'accueillir la mémoire de Jean-René Toulmin. Un stade à guichet fermé, selon la boutique du FC Nantes, du test après-midi, bon match chez Nouvelle-Coque. Je vous ferai rentrer quand j'aurai reçu. Ah oui. On dit bien de ta mère, avec un ami de la famille. De quoi ça? De quoi ça? Supporters de l'FC Nantes, vous faites une excellente première mi-temps. On encourage l'équipe. Et allez, Nantes! Allez, Dortmund, papa! Oh, c'est magnifique! Ah là là! Les fumigènes, regardez! Oh là là! Les ailes de montagne et ouais! Les ailes de montagne et magique, regardez. Ah, comme d'hab, hein, je vais demander de bombarder les pouces bleus, de vous abonner, activer la petite cloche, petit partage, et il y aura une
une grande vidéo sur le match de coupe Europa League à la Beaujoire. Et c'est parti. Tribune R plus tribune R égale Loire. Magnifique. Thank you.
Regardez cette magnifique. La deuxième mi-temps, regardez l'ambiance côté supporter allemand. Ah la vache! Allez, Frankfurt mène 1-0 à la première mi-temps et là on tombe sur la deuxième mi-temps. Pour combien d'euros d'amende et de fumigène est énorme. C'est magnifique. Avec Kalou 44 et dans la tribune Jules Verne ici en haut, ou ça je sais pas, mais il est dans la tribune avec des collègues à lui. Kalou 44, ça pouvait les perdu. Ouais. Si vous le trouvez, dites-lui. Voilà, voilà. Regardez, il y a un fumigène toujours. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Ils mènent 1-0. Les Allemands face aux Nantais 0. Deuxième mi-temps.
amis, salut tout le monde. Voilà, fin de match, évidemment. Je finis ma petite fin de vidéo chez moi après cette rencontre de Coupe d'Europe FC Nantes contre Fribourg. Dur. Waouh, la défaite, une bonne raclée quand c'est 4-0. On a joué pas terrible, hein. C'était mauvais match. J'espère qu'on fera mieux dimanche à 15h face à Brest, parce que sinon, là c'est la deuxième division, là, côté Ligue 1. Voilà, voilà, je fais mon petite fin de vidéo, j'espère que cette vidéo-là va vous plaire, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas de bombarder les pouces bleus, le 10 milliers de vues pour cette vidéo. Grâce à vous, je suis payé, parce que YouTube, c'est mon travail officiel, j'ai rien d'autre derrière. Je travaille sur YouTube, et voilà, c'est grâce à la monnaie YouTube, j'ai pu m'acheter un téléphone avec plus belle qualité, en photo, en vidéo, pour faire vivre vous, moi, mes passions, sur le foot, les vlogs, de toutes sortes. Et voilà, en tout cas, c'était dommage. L'ambiance, c'est juste l'ambiance qui était magique côté allemand, avec tous les fumigènes qu'ils ont fait, c'était magique. Côté ultra Nantes aussi, c'était waouh, le beau tifo. Et voilà, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Comme d'habitude, hein, le petit pouce bleu, j'aimerais bien atteindre les 100 likes et le millier de vues, voilà, comme ça, top top. Le petit abonnement, le petit partage, les petits commentaires et on va dire bon visionnage à tous et toutes. J'espère qu'on fera mieux à Brest, quand on va recevoir Brest dimanche prochain à la Beaujoire. Et voilà, allez, bye bye et allez Nantes.